me réjouis vraiment du fait que nous avons les atouts nécessaires avec des équipes jeunes, dynamiques, formées et en plus sympathiques pour faire face à cette évolution et assurer la continuité dans la modernité. Continue à faire s'épanouir ton intelligence, du bon sens et du cœur. Papa, tu as toujours vu ton entreprise comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et tu as toujours eu un attachement sincère. Pas pour des questions d'image ou de communication. À contribuer au développement de tous. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nos entreprises. Papa, aujourd'hui, Géraldine, Astrid, tes 10 petits-enfants, maman et moi, nous sommes fiers de toi. Et voulons te dire merci de nous avoir entraînés dans cette belle aventure. Et donc, finalement, Foudanala, malgré toute la tâche qu'on avait à ce nom, il ne reflétait plus la réalité. Il fallait trouver quelque chose d'autre. Nous avons voulu un nom qui rappelle les origines du groupe, nos racines. Nous avons voulu un nom qui parle de dynamisme, de nouvelles idées. Nous avons voulu un nom qui évoque de nouvelles entreprises, qui confirme notre attachement au développement des talents. Nous avons voulu un nom qui rappelle notre esprit de start-up qui doit être sans cesse renouvelé. Finalement, nous voulons un nom qui illustre notre mission, qui est de faire éclore chaque potentiel. Aujourd'hui, Foudanalyde devient Eclosia.